En France, l'industrie du rap connaît une prospérité sans précédent. Les revenus générés par cette industrie ne cessent d'augmenter, reflétant ainsi l'engouement croissant pour ce genre musical. Les rappeurs les plus fortunés du pays se distinguent non seulement par leur talent artistique, mais également par leurs compétences en affaires. Ils n'hésitent pas à diversifier leurs activités pour accroître leur recherche et leur visibilité sur le marché. Découvrez avec Journal du Monde le top 10 des rappeurs français les plus riches en 2024. Alors si vous êtes prêts, on commence. Jules, un rappeur extrêmement populaire qui a récemment rempli le Vélodrome, est un pur produit marseillais. Il est connu pour son activité impressionnante et ses albums qui ne finissent plus. Il est devenu, en très peu de temps, une icône du rap français et le rappeur le plus écouté de France aujourd'hui. Aujourd'hui, sa richesse est estimée à environ 2 millions d'euros. Kaaris. Le rappeur Kaaris, ennemi juré de Booba, se place parmi les rappeurs les plus riches de France. Sa fortune est estimée à 2 millions d'euros. Depuis longtemps dans le rap français, il est une des figures de ce dernier. Il a également créé son propre label OG Records et investi en bourse ainsi que dans l'immobilier. Il est également à la tête de plusieurs restaurants et d'une marque de prêt-à-porter pour hommes. Nekfeu. D'origine grecque écossaise, il est très populaire, même s'il fait profil bas sur les réseaux sociaux et sa vie personnelle. Sa fortune dépasserait approximativement les 3 millions d'euros. Il doit sa fortune à ses placements d'argent, notamment ses placements en bourse, ses partenariats et ses investissements dans l'immobilier, ainsi qu'un lancement d'une marque de vêtements et de parfums. Niska. Niska est l'un des rappeurs les plus populaires de France, dont de ce fait l'un des plus riches. Il a fait partie avec Shi du classement du jury de l'émission de rap sur Netflix, La Nouvelle École. Sa richesse est estimée approximativement à 3 millions d'euros. Shi, ce rappeur franco-allemand, fait un carton. Son dernier album est certifié disque d'or et le hit Band Organisé est écouté depuis plus de 2 ans à travers toute la France. En 2021, il dépasse la barre symbolique du milliard de streams sur Spotify. On considère qu'il posséderait environ 3 millions d'euros en 2024. Damso. Même si Damso n'est pas originaire de France, mais de Kinshasa et de Bruxelles, il est l'un des premiers rappeurs les plus populaires de France. Il posséderait approximativement 3 millions d'euros avec ses disques tous certifiés au minimum de platine. Nino. Même si Nino connaît un succès fou avec chaque album qu'il sort, il n'est pas encore le premier rappeur de France. Ce dernier est le plus jeune rappeur parmi les plus riches. À seulement 25 ans, il a une fortune estimée à plus de 4 millions d'euros. Dadju. Dadju, qui est le petit frère de Gims, est le troisième sur la liste des rappeurs français les plus riches en 2024. Il est très populaire auprès des collégiennes et lycéennes, surtout avec ses titres Ren, Lyon ou Bob Marley. Il a également fait plusieurs feats avec Nino et Valt. Le chanteur a plus de 8 millions d'euros à son compte. Gims. Anciennement, Maître Gims est dans le game depuis longtemps. Ancien membre du groupe Session Dassault, ils ont enchaîné les succès. Après l'arrêt du groupe, il enchaîne les hits notamment Bella ou encore Changé. Il est aujourd'hui l'un des rappeurs les plus connus de France. En 2024, la fortune de Maître Gims est estimée à plus de 15 millions d'euros. Pour atteindre cette somme faramineuse, le rappeur a créé son propre label, puis la revendre à 50% pour obtenir des revenus directs. Booba, connu sous le nom du Duc de Bologne, est le premier du classement. Le rappeur, connu pour ses clashs, habite en ce moment à Miami. Il a commencé dans les années 2000, et bien qu'il soit critiqué, il ne fait que des hits et reste sur le top du podium. Le rappeur cumule aujourd'hui la somme d'approximativement 58 millions d'euros. Il ne se limite pas qu'à la musique. Il a lancé sa marque de vêtements, un parfum et plusieurs labels de musique, dont le plus connu 92i.